Charmante ville, Quimper. Hein? Un peu calme. Surtout en hiver. En été, ça peut aller. Oui, mais c'est encore au printemps que c'est mieux. Les environs sont très agréables. Les champs se couvrent de fleurs. Notez qu'au printemps, ça arrive souvent. L'automne aussi est charmant ici. Oui. Oui. Lors de mon dernier passage en automne, justement, les teintes étaient des jaunes, des rouges, des... Oui, des morts dorés. Oui, des bleus. Très beau. Vous habitez Paris habituellement? Oui. C'est plus animé qu'ici. Ah oui. Oui, un peu trop à mon goût d'ailleurs. Oui, nous y sommes passés il y a 3 semaines avec mon mari. La circulation devient impossible. Oui, surtout aux heures de pointe. De la Madeleine à la Porte Maillot, 2 heures. C'est fou, non? C'est fou. Ah, sans compter le bruit infernal. J'ai lu dans un rapport de la préfecture de police qu'il atteignait je ne sais plus combien de décibels entre 6h et 8h du soir. Ah oui. Et la pollution atmosphérique? Il paraît que c'est un véritable problème national. Oui, et même international. On se demande comment tout ça va finir. Ah oui? Oui, je vois beaucoup de jeunes. Ils sont très angoissés. Vous avez eu un bel été? Non, ne m'en parlez pas. Dégueulasse. Non, tous les touristes fuient en Espagne, ça a été catastrophique pour l'hôtellerie. Notez que le temps n'est pas seul en cause, on l'accuse un peu vite. Le soleil brille ici comme partout. Oui. Bah, croyez-moi, les pouvoirs publics ont une large part de responsabilité. Ça c'est... Toute la politique des investissements est à reconsidérer. Je ne sais pas dans quelle partie vous êtes, monsieur. Bon, j'écris un peu. Ah, oh, bien sûr, je me disais aussi. Rappelez-moi votre nom. Marc Andrieux. J'ai lu votre dernier roman, j'ai... comment s'appelait-il? Beaucoup aimé la fin. Vous savez, quand la vieille bonne, à moitié aveugle, se précipite dans la maison. Ah non. Non? Oh non, non, vous devez faire... Non, vous devez faire erreur, j'écris des contes pour enfants. Ah bon? Oui. C'est merveilleux. Oui. Vous buvez un autre verre? Non, merci. Merci, il est très bon, mais je vous remercie. 15 ans d'âge.